Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Death's Door live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Sûrement quelque chose de caché pas loin dans le domaine de la sorcière. On va aller vérifier. Comment faire pour aller là? C'est peut-être un autre arme. Thank you.
Ah, quelque chose ici d'intéressant. Qui s'est ouvert, je ne sais pas ce qu'elle donne de quoi. On ira voir après, on va voir ce qui est par ici avant. Rien. Rien. Est-ce qu'on peut passer ce côté-là, par exemple? Non. Non. Une échelle, là. Une échelle, elle est cachée dans le gazon là-bas. Il y a une ouverture, il y a quelque chose à cacher là, là, c'est certain. Là, ici, bon. Ça là, si je donnerais un... Il y a quelque chose de caché là qui est mieux. Là. Comme ça, bon. Je savais. Il y a une échelle vraiment si tu manques ton coup. Et ça, j'en ai vu ailleurs de ces affaires-là. Là. Putain. Plus de mauvais boutons, c'est bien ça.
C'est temps à courir devant eux. Tu as trouvé une urne pleine de vases. Une étrange lueur semble emménager du liquide presque noir, c'est bizarre. Tu veux dire, je pouvais pas sortir, c'est vrai. Domaine de la sorcière, on va aller espionner un peu. Thank you.
Je comprends pas. À moins que je coupe la corde. Je la brûle. Oh, comme ça plutôt. Et ouais, c'était ça. Pas si compliqué d'essayer des choses. On va finir ici avant, on va retourner après. Thank you.
Bon. Il n'y avait rien là. On est rentré par ici. Est-ce qu'il y a d'autres portes en bas ici? Non? Passons par là-haut. Une porte là. On va aller avec elle en premier. S'il n'y a rien, une porte là. Une échelle, on va la voir plus bas avant. Ok. Il y a une porte ici, on va le voir. Une autre porte là. Hop, on saute pas en bas. Qu'est-ce que tu fais, Mr. Flight? Ok, on revient encore à la même place, on descend parce qu'il y a une échelle qu'on n'a pas pris. Ça a déjà été fait. Si. Est-ce que l'autre porte? Ici.
Ok, ouais. Déjà été là, il y a un autre chemin pour y aller. J'irai vérifier après, je vais vérifier ça en premier. Salle de bain, il y avait un... Il y a quelque chose là-dedans. Ah, je vois, regarde, tu vois qu'il y a un... Il y aurait une porte là. Oh mon Dieu, une porte secrète! Oh, puis je vais avoir une autre vie! Ah, c'est quelque chose de différent. L'ancien hôtel te fait don d'un fragment de cristal magique. Récupère-en 4 pour augmenter tes compétences magiques au-delà de leurs limites. Ah, c'est magique, ceux-là. Je vois ça où? Ok, moi je pense... Ah, 1 sur 4, ok. Moi je pense... Moi c'est 3 sur 4 que je voulais. Je voulais le quatrième en vert pour avoir une autre affaire de vie. Ah ben, tiens. Il y a un marin qui m'avait dit qu'il y avait un... Il y avait un secret caché dans la... Dans la salle de bain chez la vieille. Ça s'est trouvé. Qu'est-ce que c'est dedans? On ira après, on va vérifier le reste. C'est ça, salle de bain. Est-ce qu'il y a d'autres choses par ici? Ah.
800, il m'en faut 1500. Ça, on l'a déjà battu, ça n'aurait rien d'aller là. Je crois pas, en tout cas. Ah, shit. Oh! À moins qu'il en ait déjà été. Que j'ai pas attrapé ça, à moins que c'est avec une lampe. J'ai déjà attrapé. Je pense que j'ai déjà attrapé. Ah, c'est une lampe, ça. J'ai déjà lu ça. Manoir de céramique, c'est là que j'étais. J'ai mal au fils. Je pense qu'il y a quelque chose que je peux faire. Là. Je vais aller voir. Peut-être des choses cachées dans le sous-sol. Où j'étais dans le... Ah! Oh! Je viens de voir ça! Ah! Oh, là, je viens de... Ah! Oh! Fallait le marteau! J'avais pas le marteau! Puis je viens d'apprendre comment faire ça! Et voilà! Et voilà! J'arrive d'être là, on va voir ce qu'il y a là-dedans, je m'en rappelle plus. Oh.
À moins que j'ai déjà ouvert. C'est beau. Y'a rien ici. On va aller voir où ça nous mène. Ah, ça ouvrait la porte. Ok, c'est beau. C'est beau. On continue le chemin. Y'a rien par là. Y'a rien d'être là. J'ai même pas pensé à faire ça. Est-ce que j'ai déjà été là? Est-ce que j'y ai déjà pensé? Peut-être que oui, parce que je vois rien. Ah, je pense pas parce que je vois qu'on peut marcher là-dessus. Oh, tabarnak! Yes, sir! Je vais avoir un point de vie de plus! L'ancien hôtel te fait un don d'un fragment de cristal de vitalité. Le cristal complet remplit ton âme d'énergie et augmente la vitalité. Donc je serais rendu à 5? Oui, 5! Yes, sir! C'est ça qui me donne de la force de plus. J'arrive d'en bas, je vais aller voir ce qu'il y a à gauche. Il y a rien. À part... À part te faire réaliser, il y a quelque chose là, mais comment tu vas pour y aller? Hein? J'ai trouvé. Thank you.
Ah, il y a une porte, j'ai pas débloqué là. Et ça, c'est une perte de temps, je me donnais là. Ah, j'aurais dû sauter dans le trou avant. Bonjour, est-ce que tu es en état de répondre à une question? Zekovac. Et pourquoi je serais pas en état? Ah non! T'es concentré dans mon jeu. Et t'en fais pas. Désolé. C'est ma face naturelle, je peux pas la changer, j'ai de la misère avec ça. Tu voulais que je réponde une question sur quel sujet? Je viens de découvrir le jeu et ça m'a fait. Ah, celui-là, lui que je suis en train de jouer? Ah, j'adore ce jeu. Je sais pas, t'as-tu le Xbox Game Pass? Sur ma chaîne, tu vas découvrir des jeux. C'est mon but premier. Un joueur PC, ben, il y a le Xbox Game Pass Ultime, si jamais. Je sais pas si tu connais. C'est pour les PC. Ça vaut le coup. Moi, j'ai découvert des jeux fantastiques à travers, puis il est dedans. Ce jeu, Tunic, je pourrais t'en nommer d'autres aussi, là, qui vaut vraiment le coup de jouer. Ouais, je l'avais pour Sea of Thieves. Bon. Tu vois, il n'y a pas juste Sea of Thieves, c'est un gros jeu, c'est un 3A, mais il y a des jeux A ou 2A qui est aussi bon. Si t'aimes le jeu aventure, comme là, regarde, tu peux voir, là, je suis à 0,4, mais tantôt, j'en ai attrapé mon quatrième, ma barre d'énergie en haut a augmenté, et là, j'ai trouvé tantôt qu'il y en avait des rouges aussi à 1,4, donc là, si je n'en pas une 4, je peux avoir, je peux augmenter ma magie. Et là, si tu vois, j'ai battu 2 boss sur 3. Je sais où est le troisième, je me suis rendu jusqu'à là, mais je trouvais qu'il était vraiment compliqué. Et là, je me suis mis à explorer. Et là, tu peux augmenter aussi. Là, c'est les armes. Il manque une arme que j'ai pas. Ça, c'est des objets reliques qui ne servent pas à grand-chose à part comme juste à part qu'ils sont beaux. Et si tu vas au vendeur, tu as 4 catégories à augmenter. La force de ton arme, ton agilité, t'as une habilité à plonger, de la vitesse comme ça, et la force de tes 4. Donc, tu peux lancer du feu. Ton arc.
des bombes. Et le haut. J'ai pensé à Elden Ring, alors les boss, ça devrait aller. Ouais, j'en doute pas. Là, ici, chaque fois que tu attrapes des graines, là, j'en ai beaucoup des graines, là. Tu mets ça dans le pot et tu peux utiliser la plante une fois. Ben, une fois. Quand tu sors du tableau, tu reviens. Je dis tableau, c'est le monde, là. C'est pas vraiment un tableau. Un espèce de Zelda, ouais. Si tu veux un jeu semblable à Zelda, je te propose d'aller voir le jeu Tunic. T-U-N-I-C. Je l'ai terminé. C'est vraiment compliqué, cependant. C'est pas compliqué quand tu sais, mais il te donne aucune information et c'est toi qui dois tout réaliser par toi-même. C'est vraiment un bon jeu. Non, où j'arrive? Alors, tu vois, il y a des portes comme ça. Quand tu rentres dans la porte, tu peux aller... En fait, l'histoire, c'est que t'es un petit faucheur et tu vas chercher les âmes. Et il s'est passé quelque chose aussi. Je vais pas gâcher l'histoire, là. En avançant dans son enquête, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas bien, là. Bon, ok. Donc, présentement, je suis vraiment... je suis en train de vérifier qu'est-ce que j'aurais oublié, qu'est-ce que j'aurais pas oublié. Augmenter les capacités de mon... Et comme tu vois, l'arc... Ben, l'arc, j'en ai trouvé une première. Mais ensuite, j'ai trouvé une porte à un endroit particulier. Parce que plus tu trouves tes capacités comme ça... les bombes... Et le hook... Ça te permet, et le feu, ça te permet d'ouvrir des nouveaux sentiers, etc. pour avoir des habilités. Il a déjà fini ce jeu? Non. Je l'ai pas terminé, il me reste un boss. Oh, calice. Il me reste un boss à le terminer, je sais où il est où, je me suis rendu jusqu'à lui. Mais je l'ai pas tué, il était trop compliqué. Là, j'augmente mes capacités pour aller l'affronter. Comme déjà, au niveau à augmenter mes capacités, ben j'ai une barre de vie de plus. Et pour augmenter tes capacités, c'est chaque fois que tu tues un monstre. Ouch. Tu vois les petites affaires roses qui s'en viennent? Et ça, ils t'en faut, comme ça. Là, je suis rendu à 1000, ils m'en faut 1500 pour augmenter mon dodge, mon diving, là, comme ça, au maximum. Parce que t'as 400, 600, 800, 400, 800, 1000. Non, il y a. C'est-tu 400 ou c'est 600? En tout cas, il y a 600, 800, 1000, 1500. Mais là, j'en veux 1500.
Calice. Ouais, il y a une histoire. Comme je te dis, c'est un petit faucheur, donc il recueille les âmes. Et là, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'à un moment donné, les faucheurs, plus avant dans l'histoire, tu t'aperçois qu'il s'est passé comme une espèce de petite gamine. Ils ont tout fermé les portes, puis ils ont laissé des faucheurs mourir en arrière. Et toi, tu t'en vas recueillir les âmes de ces faucheurs. Bon, tu vois là la plante? Ça, j'avais déjà mis une graine. Fait là, ça me remplit. Mais je peux même l'utiliser une fois. À moins que je me fais tuer et je reviens ou que je sors du sentier avec une porte et je revienne et ils vont tout être là. Mais quand tu rentres dans une porte, les plantes reviennent, mais tous les monstres reviennent nouveau à la vie. Là. Faucheur, c'est-à-dire un paysan? Non, un faucheur, c'est ceux-là qui arrivent pour... quand t'es mort, ils viennent chercher ton âme. Enfin, les faucheurs, ceux qui viennent chercher ton âme, d'habitude, ils ont une faux avec eux autres. Ah, putain. Viens, toi là. Plante, voilà. Pas l'air d'en avoir. Une à l'extérieur. Ah, il y en a une en haut. Là. Je vais aller la chercher. Donc, tu vois, là, j'ai des graines. J'ai 19 graines. Et là, je vais la planter. Et puis, une fois que tu l'as plantée, t'as plus besoin de la replanter de nouveau. Là-bas que j'ai pas aimé, je vais aller le tuer. Ah, shit. Ah, ça c'est le début, ça. Mais ça au début c'est pas débloqué, fait, je pouvais pas passer par là.
Ça, c'est le boss final, ça. Oh, pas final, mais... la durée de vie du jeu. Moi, je suis rendu à un peu plus de 10 heures. Bienvenue. Comme je te dis, je te suggère, je joue toujours des nouveaux jeux. Et là, tout de suite, mon but, c'est toujours de finir des jeux. Jusqu'à présent, en 2023, j'ai terminé 26 jeux. Oui, 26. 2022, excuse-moi. Si c'était ici que t'es la boss, mais elle est plus là, là. Pas se poser, en tout cas. Ah, oh, il y a une porte, là. Ça, j'ai oublié de les débloquer, ça. Elle est morte, elle est plus là. Ah, t'es con. Bon, ben ici, on a trouvé quand même quelque chose. Je m'attendais à mieux. Donc, les portes, si t'es toujours là, je peux te montrer où ça t'amène. Donc, c'est ici qui est le monde des faucheurs, le bureau. Celui-là, ici, il donne pas grand-chose. Là, mes objets sont tous traînés. C'est tous les objets que j'ai trouvés sans là. Lui, c'est lui que tu parles au début qui te dit qu'est-ce que ta mission principale. Et lui, c'est là que tu vas faire augmenter tes... avec les âmes. Chaque fois que tu tues des monstres, tu reçois des âmes. Et là... Ah, c'est 1000. Ah, mais c'est celui-là, je veux 1500. Puis là, je suis à 1114. J'en veux 1500. Fait, le premier, c'est 400, 600, 800, 1000, 1500. Puis tu augmentes ta dextérité, ta force... ta vitesse et la magie que j'ai pas monté zéro. Bon, maintenant, où? À quel endroit je devrais aller maintenant? Le laboratoire de la sorcière, le manoir de céramique. J'ai déjà tout fait ça, donc j'ai plus besoin d'aller là. Ah, c'est pas vrai. Pas le manoir, mais... La chaudière centrale, non. Ça, le domaine de la sorcière. Je devrais peut-être... Même si je pense avoir tout fait, il y a peut-être... Vers le bas de la map, j'ai peut-être pas fait. Oh. C'est quoi ça? Oh! Tiens! Tu vois? Et voilà, tiens. Ça, c'est des... ça te donne 100 âmes, donc ça va plus vite. Mais ça, tu peux pas le faire au début parce que tu l'as pas, le hook. Le grappin. Ça, j'étais là tantôt. C'était là tantôt? Ouais, ok.
Fallait allumer les quatre chandelles pour aller là. Tiens, j'ai ouvert un mur que je savais pas. Et voilà, 100 armes de plus. On va jouer encore un autre 15 minutes après qu'on ira manger. Je me rappelle pas de ça. Peut-être que oui. Ah oui, oui, je me rappelle. Putain. Ah! Ça, j'avais pas fait ça. Oh! Il faut le battre pour aller faire l'affaire de feu. Wow! Ça augmente nos capacités de la boule de feu. J'en ai battu un hier de même, mais beaucoup plus compliqué. Ça a pris 45 minutes. Bien au début là, mais mon cabochon est sorti de moi. T'as 3 balles de feu, toi. J'ai sauté devant, je suis con. On peut recommencer direct. On peut commencer puis réessayer. Ouais. Puis là, on va jouer plus intelligent. Bon, on va essayer.
Salut, bon dodo mon ami. À demain peut-être. Yes! Le larbin silencieux a été vaincu, et le pouvoir de son âme ajouté à la tienne. Ton sort de boule de feu peut maintenant brûler tes ennemis et infliger des dégâts répétés. Faut une clé spéciale, voilà. Ouais, peut-être le dernier boss. Je vais aller là après, je vais voir ce qu'il y a ici. Ok, j'ai déjà été par là. Oh, oui. Chose intéressant que je viens de voir là. Oh oh! Bien, toi.
Déguerpis, salopard. Et de deux, au niveau de... Je pense qu'il est rouge, lui. Exact. L'ancien hôtel te fait un don de fragments de cristal magique. Tu en as deux. Il t'en manque deux pour augmenter tes capacités magiques. Quand même vérifier quelque chose. Pas trouvé le marin. Je pense que j'ai pas tourné à droite comme qu'il fallait. C'est ça, faut que je tourne ici. Ah, tiens, il y a des choses que j'ai pas pognées là. Et voilà. Tu as trouvé le jeton de mort. L'ancienne culture place ses jetons sur les yeux des défunts pour payer aux dieux de la mort leur passage vers l'au-delà. Les gens des anciennes cultures devraient avoir de très gros yeux. Ah, ça je croyais. On est capable.
reste facile en plus. J'ai fait le plus dur déjà. Alors, ben, silencieux a été vaincu. Et le pouvoir de son âme, ajouté à la tienne. Ton sort de grappin te permet maintenant de effectuer une puissante attaque quand tu les as. Tu es attiré vers une cible. Intéressant. Bonjour, face de bec, comment ça se passe dans l'aventure? J'aime faire halte aux marins échoués pour refaire de plein de délicieuses soupes de Jefferson, c'est un homme étrange, mais un très bon chef. Je prends note. Tabarnak. Juste là, excellent. Pourquoi tu le fais trois fois? Oh, tabarnak! Rien, pourquoi tu fais ça trois fois? Je comprends pas ce que je fais de mal.
Ok, une autre fois. Le masque, j'ai pas pris. Tu as reçu le masque de Brutus. C'est l'air bien sans m'avoir fait allégeance à un nouveau chef. Et bonjour, petit Piaf. Moi, elle est partout, voir plein de choses. Monde du dehors, très joli. Aimer rire, vivre. C'est tout ce que je veux, Brutus. Pas de soucis, enchanté. Il fait trois fois, I guess. Ou il change pour trois fois, parce que là, ça marche pas. Le but, c'est deux. Yes! Ouf! C'est pas facile, ça. Ça, pas un nounours? Tu as trouvé le nounours crado. Il serait mignon s'il n'était pas aussi crado. J'ai 1600 en plus, excellent. Oui.
c'était tout pour l'aventure du jeu Death's Door, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!